Hey, konnichiwa, minasan, et Shimbabwe, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va plutôt pas mal, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fallout 3. Alors ne vous en faites pas, non, je n'ai pas abandonné la série alors que ça fait juste 2 semaines, je pense, que je n'ai pas publié. Mais je suis de retour avec la nouvelle mission qui nous a été attribuée. On doit aller jusqu'à Rivet City en suivant notre père. Non, on peut pas se téléporter, j'ai déjà essayé. D'ailleurs, je viens de tourner, on était ici. Garage de Smith Casey. Mais j'ai commencé l'enregistrement et c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'en fait j'avais pas allumé mon micro. Du coup, les petits passages intéressants entre guillemets, je vais essayer de faire une voix off ou quoi. Mais ça veut dire que j'ai perdu 20 minutes là. Parce que j'ai marché, je voulais me téléporter, j'ai vu que ça marchait pas, alors j'ai marché et puis maintenant là, j'ai pas envie de recommencer, putain non. D'ailleurs, un truc drôle que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait changer la couleur de l'écran de notre truc là, notre Beep Boy. Regardez, c'est trop marrant. On peut mettre vert, on peut mettre bleu. Regardez, c'est bleu. Il y a blanc, vert, bleu, sépia. Ambre. Mais bon, on va laisser vert, mais c'est juste parce que c'est marrant, je chipotais un petit peu avec les options et je ne savais pas. Alors que ça fait des années que je joue à Fallout, mais je savais pas qu'on pouvait changer la couleur. Voilà. Petite info dont tout le monde s'en fout. Hop. Allez, papa. Et du coup, on se retrouve à Rivet City parce que c'est pas intéressant la route. C'est pas intéressant du tout. On sauvegarde de temps en temps. Parce que c'est important de sauvegarder. J'ai pas envie qu'il se passe un truc grave et puis qu'on doit tout recommencer. Tu as... Mais où tu vas, papa? Ouais, mettez-le en pièce. T'es mort. Ouh, quoi? Non. Oh, allez, viens, je t'attends, salaud. Invisible là, ça va pas? Ils se font tellement bien dans l'obscurité. Non! Touche pas mon père! Ouh! Ça fait mal! Main d'écorcheur. Alors c'est le truc que je pensais qu'il allait valoir énormément d'argent dans les... dans la petite boutique et tout, puis en fait non, ça vaut que dalle. Et lui, il a une barre de vie magique, c'est-à-dire qu'il prend des dégâts, mais une fois que le combat est fini, pouf, tous ses points de vie reviennent. C'est magnifique. Moi, j'ai pas ça. C'est dégueulasse. Allez, montre-toi. J'ai trouvé le truc. C'était alterné, une fois du vin, une fois de la bière, une fois du whisky, une fois de la bière, une fois de la bière. Comme ça, on ne devient pas trop vite accro. C'est bien, non? Quoique, l'alcool, ça reste de l'alcool. D'ailleurs, pour le prochain épisode, peut-être que je vais arranger mon layout pour avoir un petit... une petite déco autour de ma caméra, comme j'avais avec mon précédent layout. Hein, j'avais un timbre. C'était marrant. Oula, oula. Stop, 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 stop. Là, non, ça ne va pas. Oui, il y a des fiches. Non ! Papa ! Tire sur son bras, tire sur son bras. Tombe, mais tombe. Ah,
heureusement que je viens de dormir. Ah, imaginez. Oh, imaginez, j'aurais pas dormi. Je vais me débarrasser de ce super mutant. Déjà, je vais sauvegarder juste ici. Quoi, il a un minigun maintenant? Non, papa, reste là! Mais bon, je préfère qu'il ait un minigun qu'autre chose. Grenade, fusil d'assaut. Même pas mal. Il est mort. Félicitations. Vous avez gagné. Le vent. Le bruit du vent. Ah, je sais où on est. Je vois, on est presque à Rivet City. C'est là-bas, Rivet City. Non, c'est là-bas. Oups. On est sur la carte là, près du mémorial. Rivet City! Que ouais! Bonjour! Excusez-moi, s'il vous plaît. Envie de faire du troc? Répare mes affaires, je t'en supplie. Là, ça, ça, et ça, et ça. Le reste n'est pas besoin, c'est pas nécessaire. Merci. Oh, et prends mes glandes. Wolfgang le dingue a ce qu'il vous faut, en supposant que vous ayez besoin des bricoles que j'ai en stock. Merci. 200 seulement? C'est un plaisir de faire... Merci. Phew, on est enfin arrivé à Rivet City. Voilà, je sais pas qui on va aller voir, mais on va aller voir. Au labo, c'était qui encore au labo? Plus. Tout a l'air en ordre ici. Oui, tout va bien. Et vous, tout va bien? Attends-moi un instant, je cours pas si vite que toi, pas. Hein. J'ai des petites jambes. Laisse-moi discuter quelques instants avec Madison. Ensuite, on pourra décider de la conduite à tenir. Patience, mon gars. Je t'ai dit que ça marcherait, Madison. Et maintenant, je peux le prouver. James, te revoilà. Et avec de bonnes nouvelles. J'avais raison au sujet de Brawl et du Jet. Attends. Si on peut en trouver un, on pourra l'adapter au purificateur. J'aimerais te croire, James. J'aimerais vraiment. Mais c'est tellement... tellement soudain. Madison, je te dis que c'est bon. J'ai parlé à Brawl lui-même. Il l'a confirmé. Tu ne vois pas? C'est ce que nous attendions. Je ne sais pas, James. Tant d'années ont passé. Est-ce que ça vaut encore la peine d'essayer? Comment cela ne pourrait-il pas améliorer la vie des habitants des terres désolées? Quelle entreprise serait plus utile que celle-là? Tu n'as pas perdu ta passion, pas vrai, James? C'est toujours aussi important pour moi, Madison. Je sais que c'est important pour toi aussi. Achevons ça ensemble. James, nous n'avons pas de Jack. Je peux rassembler une petite équipe, mais il va falloir prouver que ça marche avant qu'on nous croie. Je sais, j'y ai pensé. Le labo du... Excusez-moi, je viens seulement de me rendre compte qu'il y a une poupée là. Vous avez trouvé la poupée voltée qui agite la tête. En édition limitée! Et est-ce que ce ressort que seuls les plus intelligents peuvent comprendre qu'il reste toujours des choses à apprendre? Mon intelligence a augmenté à titre permanent de 1. J'étais équipé de quelques ordinateurs d'avant-guerre qu'on avait récupérés. L'un d'eux pourrait nous être utile. Aux dernières nouvelles, le site n'est pas alimenté en énergie. Même si un ordinateur disposait d'une base de données, on ne pourrait pas y accéder. C'est pour ça que nous allons aller tout de suite là-bas et mettre l'installation en route au plus vite. Tu sais que si n'importe qui d'autre me demandait ça, je le ferais chasser de Rivet City.
Et tu sais que je ne serais pas ici si je ne pensais pas que ça peut marcher. Il est temps, Madison. Bon sang, James. Quand tout ça sera fini, tu me devras un verre. Je vais rassembler l'équipe. J'ai de la bière, merci, si vous voulez. Madison. Ça fait plaisir de retravailler avec toi. Tout va bien ? Il vous fallait quelque chose ? Nous devons relancer le projet Pureté. L'ordinateur qui est là-bas est notre meilleure chance de localiser un Jack. Tu dois y aller maintenant ? Ça ne peut pas attendre ? J'ai enfin l'occasion, au bout de 20 longues années, de terminer ce que j'ai commencé il y a si longtemps. Je le dois à Madison. Je le dois à ta mère. Non, ça ne peut pas attendre. Tu viens avec nous ? Je n'irai pas avec toi. C'est vrai ? Je suis sûr que tu nous serais utile. Si tu changes d'avis, tu pourras toujours nous rattraper en chemin. Au moins, passe me voir quand nous serons installés. Ok. Fou. Ça, c'était quelque chose. Donc, on retournera là-bas plus tard, mais ça, c'est la fin de la... C'est la fin de l'histoire. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse déjà... le défi Nuka-Cola, bien sûr. Déjà, on va retourner à Migaton. Donc, je suis à l'intérieur, bien sûr, qu'il faut que je sorte d'abord d'ici. Bonsoir. Bonsoir. Ok, maintenant, je peux aller à Migaton. Ensuite, on va aller retourner chercher Kanigou, hein, qui nous attend toujours à l'abri 101. J'ai toujours pas été chercher, d'ailleurs. Ça fait plusieurs épisodes que je dois aller le chercher. Rien à ajouter une Coca-Cola glacée. Prendre une Coca-Cola glacée. Coca-Cola Quantum. On en a 21. On y est presque. La poupée intelligence. Là. Non. Là. Pour vendre nos doigts, parce qu'on a genre 40 doigts, je crois. Hein, j'ai un sac comme ça, avec que des doigts. J'ai une prime à récupérer. Tenez, prenez-les tous. 190, ok. Bah, c'est mieux que rien. Kanigou! Toutou! Oh, tu vas manquer! Oui, oui, oui! Allez, les chiens! Oui, en route! En route! Oh, toutou! Oui, bon chien, toi tu vas rester ici! Méchant, méchant! Reste là, bouge pas avant mon retour! Bien! Ensuite, on va aller. Donc, j'ai récupéré Kanigou, ça je peux barrer. On va aller. Underworld! Underworld! C'est un musée d'histoire. Il est génial, je crois que je vais aimer ce pistolet. Ok, c'est bien ici, hein, à droite. Underworld. Bonjour, les ghouls. Ça pourrait vous arriver, vous savez. Oui, mais ça ne me fait pas peur. Queen. Oh, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Queen. Salut, Queen. Quoi, vous n'allez pas me dire qu'il est rare de voir un humain Underworld ? Enchantée, Queen. En fait, le premier, ça me fait rire parce que quand on croit, je crois la première ghoul qu'on a croisée, c'était à Megaton et il nous a dit, je crois exactement la même chose. Quoi, vous n'allez pas me dire que c'est rare de voir une ghoul ? Enchantée, Queen. Moi aussi. Beaucoup de gens d'ici n'aiment pas voir des humains se promener dans le coin. Mais j'ai vu des tas de gens comme vous pendant mes voyages. Ah, c'est cool. C'est tout. Faut que j'y aille.
Bonjour. Salut. Bon. Winthrop. Mais qui revoilà. Qu'est-ce que je peux pour vous, police? Qu'est-ce que vous faites par ici, Winthrop? Moi, je garde en état de fonctionnement toutes ces saletés rouillées d'avant-guerre. On a de la lumière, de l'eau et de la ventilation alimentée par le matériel mis en place pour ce truc à touristes. J'ai réussi à maintenir ça en service jusqu'ici, mais je me demande combien de temps ça va encore tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On a récupéré toute la ferraille possible des endroits où on peut aller sans danger. On racle les fonds de tiroir, là. Bon sang, dans pas longtemps, il va falloir que je cannibalise ce pauvre vieux Cerberus. Eh, vous vous baladez Cerberus. Pas mal, non? Je vais vous dire. Apportez-moi la ferraille que vous trouverez et je vous l'échangerai contre ce que j'ai. On peut trouver un arrangement. On a un certain nombre de trucs qui nous servent à rien, mais qui seraient utiles à des polices. Quoi? Si j'avais su, j'ai laissé plein de ferrailles partout que j'aurais pu ramasser. De quel type de paiement parlons-nous? Eh ben, on a des steam packs, mais le doc s'occupe de nous, alors on n'en a pas besoin. On pourrait en échanger un contre 5 bouts de ferraille. On a aussi une tonne de radoway. Oh, mais ça, j'en ai plein aussi, pas besoin. Ça nous sert à rien. Mais je veux bien en troquer une dose contre 5 bouts de ferraille. Bien sûr, je pense que je peux vous aider. Eh ben d'accord, ça me réchauffe le cœur. Revenez me voir quand vous aurez trouvé un peu de ferraille. Vous en trouverez partout, sur des robots cassés, des vieilles voitures, dans de vieux bâtiments, partout. Ok, vous pouvez réparer mes affaires, des infos sur Underworld. On est venu sous terre il y a presque 50 ans. Entre les super mutants, les bêtes et vous autres humains, c'est plus très sûr là-haut. Alors on vit ici, caché à l'écart des ennuis. On voit parfois passer quelques polices, mais la plupart d'entre nous ne leur font pas confiance. Vous n'allez pas nous donner davantage de raisons de nous méfier, n'est-ce pas? Faut que j'y aille. Ok, je vais juste noter. Moi, je note tout, hein. La ferraille. D'ailleurs, il y avait une goule qui demandait des bombes sucrées aussi, je sais plus où. Comment il s'appelle? Winthrop. Alors, on continue à le rechausser. Salut! Hey! Oui? Infirmière. Bienvenue à l'atelier de désossage. Je suis l'infirmière Graves, l'assistante du docteur Barrows. Que le nom ne vous affole pas. Le docteur s'y entend en blessure, démembrement et traumatisme. Si vous avez besoin de steampack ou de poche de sang, dites-le moi. Je suis blessée, que faites quelque chose pour moi. Non, c'est grave. Bonjour. Docteur Barrows à votre service. Qu'est-ce qui vous amène à l'atelier de désossage? J'espère que vous venez pour m'aider. J'ai toujours besoin de prélèvements humains, frère. Oui. Comment ça, prélèvements humains? On n'approche pas un monstre. Non, rien de ce genre. Prélèvements humains, frère? Vous ne savez pas. Je suis la plus grande sommité en matière d'évolution goulienne. Je veux savoir comment nous fonctionnons. Quelque chose nous a condamnés à cette forme putride, mais j'entends bien découvrir ce que c'est. Alors, il me faut des prélèvements de peau et d'organes humains afin de valider mes expériences. Bien sûr, prenez un rein. Si vous me touchez, j'écris aux zombies. Je ne suis pas très prélèvement. Dommage. Dans ce cas, que puis-je faire pour vous? Médecin, c'est ça, j'aurais besoin d'aide. Il y a moyen de soigner ces radiations. J'aurais besoin de matériel médical. Genre... des steampacks, mais... la bière. Genre 4. Ouais. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. À plus tard. C'est fermé, c'est pour une bonne raison. Rayleigh, réunis, ne réagis pas, elle s'enfuira dans le coma. Je crains qu'elle soit inconsciente un moment. Elle va pas bien du tout. Mais vous en faites pas, je suis sûr que le reste des Rangers de Rayleigh va venir pour l'emmener. Les Rangers de Rayleigh? C'est votre nouveau jouet, zombie? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle avait de multiples lacérations, des contusions, une jambe cassée, une hémorragie interne et un traumatisme par un objet contondant. Elle est inconsciente depuis qu'on l'a amenée il y a quelques jours. Je
dirait qu'elle a affronté des super-mutants et qu'elle a perdu. C'est un miracle qu'elle soit toujours en vie. J'aimerais vraiment parler à cette femme réveillée là. Non. Les Rangers de Rei? Oh, vous venez probablement d'arriver dans le coin. C'est un groupement de mercenaires installé hors des ruines de DC. Je suppose qu'elle est leur chef, Rei. Son nom était inscrit au pochoir sur ce qui restait de son armure. Elle était salement amochée quand on l'a trouvée à côté d'Underworld. D'accord. Comment a-t-elle atterri à l'atelier des désossages? Elle a été amenée par des gens qui l'ont trouvée en train de se vider de son sang à l'entrée de notre ville. Si elle était restée plus longtemps dans les tunnels, elle serait dans un estomac alors qu'il est. Vous croyez qu'il y a moyen de la réanimer? Oh, je le recommande pas. Elle est dans une sorte de coma et il est toujours dangereux d'en faire sortir quelqu'un de force. Impossible de savoir quand elle en sortira, j'en ai peur. Ça vous dérange si j'essaie de la réanimer? Si vous n'êtes pas un médecin hors pair, je le recommande pas. Vous pourriez lui faire plus de mal que de bien. Mais je suis prêt à tout tenter pour aider mes patients. Alors, si vous vous croyez à la hauteur, allez-y. Vous ne disposez pas d'une compétence suffisante pour traiter... combien j'ai en médecine? Compétence, médecine... Ah, il faut 60 en médecine, j'ai 57! Tu te fous de moi? Quand est-ce que je passe de niveau, là? Bientôt, hein? Bientôt. Ne vous en faites pas, je reviendrai. Je note. Bon, bah... Je reviendrai. T'inquiète, Rei. Je viendrai te sauver. Alors. Patchwork. Salut. Patchwork? Quel nom bizarre. Hein? Oh, bon Dieu, ne m'approchez pas comme ça. Le dernier type qui a fait ça a failli rester avec mon bras dans la main. Vous venez d'arriver. Ouais, sûrement, puisque... Vous parlez. Je m'appelle Patchwork, ou juste Patch, si vous préférez. Je suis... Merde, j'ai oublié. Alors, vous êtes le poivre local, hein? Ah ouais, c'est moi. J'en suis fier, très fier. Heureusement, sinon je passerai ma vie à pleurer. Et me voilà bourré, partant en morceaux. Littéralement. J'ai perdu un doigt la semaine dernière. Doc l'a remis en place. Qu'il soit béni. Vous perdez des morceaux? Des morceaux de vous? Ouais, ça arrive. Je comprends pourquoi il s'appelle souvent. Patchwork maintenant. En fait, mais ça va mieux. Je crois. Gardez l'œil ouvert si vous en voyez. Enfin, pas mes yeux, eux. Sont pas encore tombés. Je vais le faire. C'est vrai? Vous êtes quelqu'un de bien. Vous devriez me payer un verre une fois. Qu'est-ce que vous disiez? Où est-ce qu'on peut boire ici? Vous devriez le savoir. Ah, allez voir Asbuka, le Ninth Circle. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, les générateurs. Je sais pas où ils sont. Faudra demander à Winthrop. D'accord. Des infos sur Underworld. Vous avez des infos sur... Quoi? Ok, non, laisse tomber. Oh, bonjour. Attendez, quoi? Et le chien? Très chiant. Y'a pas un lit dans lequel je peux dormir, non? Elle est bourrée! Bref! Bonjour, Carole! Ouais, bonjour! Oula! Bon sang! Une nouvelle terre! Hey! Désolé, vous devez me trouver impoli. Bienvenue à la crèche de Carole! Je suis Carole. C'est pas grand chose, mais c'est à moi. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Greta s'occupe de la restauration et moi des chambres. Oh. C'est bon de voir quelqu'un de nouveau. Même une saleté de police. Allez, je plaisante. Faites pas cette tête. Vous allez vous plaire ici. J'espère. Déjà entendu d'un type appelé Gob.
C'était qui encore, Gob? Ah, c'est pas le mec dans la Tempany Tower? Gob? Ouais, bien sûr. C'est mon fils. Enfin, hein? Pas comme vous pourriez l'entendre. Nous, les Ghouls, ne fonctionne pas comme ça. Mais je l'aime comme si je l'avais fait. Vous le connaissez? Vous l'avez vu? Il va bien? Merde, non, je m'étais totalement gourée. Gob, c'est le gars à Megaton. C'est la goule à Megaton. Comment il s'appelle encore la goule dans Tempany Tower? Je sais plus. Il travaille dans un bar à Megaton. Il bosse pour un type à Megaton. Je crois qu'il est peut-être esclave. Mais non, il travaille dans un bar à Megaton. Oh, quelle excellente nouvelle. On ira voir Gob. Si vous le voyez, dites-lui que sa maman l'aime. J'espère qu'il est heureux et qu'il lui manque. Mais il ne faut pas qu'il vienne me voir. C'est trop dangereux. Non. Non, il faut qu'il reste où il est. Quoi pour une chambre? Vous tenez cet endroit avec Greta? C'est vrai, elle et moi sommes ensemble depuis... une soixantaine d'années. Mais les choses ont changé quand Gob est parti. Il était comme mon fils. Greta a toujours été un peu jalouse de lui. Comment vous avez atterri ici? Oh, c'est une très longue histoire. Vous n'avez sûrement pas envie de l'entendre. Si, allez! Non, j'adorerais entendre votre histoire. Bon, d'accord. Mais elle n'a rien de spécial. Raconte. Je suis née en 2051. Donc, oui, je suis une goule d'avant-guerre. Des souvenirs du jour où la guerre a commencé? Oui. J'étais dans un abri anti-retombé quand les bombes ont frappé. À d'ici, on a eu la chance d'être avertis. Alors que sur la côte ouest... J'étais une petite fille à l'époque. On n'avait pas de quoi s'offrir une place dans l'un des vrais abris. Je me souviens de mon père me poussant. Il s'est arrêté pour aider une famille. J'ai levé les yeux, je l'ai appelé. Il y a eu un flash plus brillant que tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis réveillée quelques heures plus tard. J'ai immédiatement couru là où se trouvait mon père. Et... Mais le plus étrange, c'est qu'il y avait son ombre sur le mur. Si nette, si précise, qu'on aurait cru qu'il était à côté de moi. La chaleur l'avait gravé dans le béton. Horrible. À quoi ressemblait les terres désolées après la guerre? La ville a brûlé pendant des semaines, peut-être des mois. Je me suis cachée ici, dans le musée. C'était ce qu'il y avait de plus près. Mais j'entendais ce qui se passait dehors. Les gens hurlant comme des bêtes. Le pillage, les meurtres. Comme si la méchanceté humaine se libérait. Ça a été un cauchemar. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est pas grave, je peux comprendre. Alors comment vous êtes devenue une goule? Je ne sais pas ce qui déclenche ça. Doc Barrows... dit que ce sont les radiations. Tout ce que je sais, c'est que des gens sont venus au musée. Une fois la situation plus calme en surface, on a essayé de vivre le mieux possible ici. Au bout d'un moment, les choses sont devenues bizarres. Ma peau a commencé à se dessécher et à peler. Ça a duré des mois, peut-être un an. Mais tôt ou tard, ça a été pareil pour tout le monde. Certains sont devenus fous. D'autres l'ont accepté. Au bout d'un moment, d'autres ghouls sont arrivés ici. Et Underworld a grandi. Personne ne venait nous embêter ici. Et on était heureux de vivre tranquille. Et après l'arrivée de Magretta, la vie est devenue belle. C'est sympa. Vous voyez? Vous qui prétendiez être sans intérêt. Quand on raconte les mêmes histoires pendant 200 ans, on n'a plus l'impression d'être très intéressant. Pas faux. Des infos sur Underworld. Ici depuis la fondation de la ville. Avant, eh bien, la vie dans les terres désolées n'était pas très agréable. Mais tant qu'on reste ici, on peut vivre en tant que personne. Pas en tant que monstre. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Faut qu'il y aille. Vous êtes pas mal pour quelqu'un du genre humain. Ah, mais moi, goule ou humain, moi, tant qu'on me tire pas dessus, ça va. Ça fait plaisir de vous voir.
Salut Greta. Désolée. Je prends ma pause. Je serai de retour dans un moment si vous avez toujours faim. Oui, non, ça ira. Terre, désolée. Tulip. Non, ça ira. Oh, ça alors. Hey. Bien, bonjour. Bienvenue chez Lugulkul. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de clients. Surtout humain. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez ici? Eh bien, on le dépense chez Carole. Ou au Nine Circle. Peut-être dans des sous-sols. Je sais pas. Le reste, on le donne à Queen pour qu'il achète les choses dont on a besoin lors de ses voyages. Des informations sur Underworld. Ah oui, il y a pas mal de vieilles brochures et de trucs de ce genre ici. J'ai tout lu. Waouh, c'est quoi cet endroit avec l'installation des ghouls? Ça faisait partie du musée d'histoire. L'exposition qui était ici traitait de ce qui se passe après la mort, l'enfer et le reste. Une large part était basée sur le paradis perdu. Un vieux livre, hein. L'histoire d'un type qui va en enfer. Vraiment intéressant. J'ai trouvé un grand carton rempli d'exemplaires de ce livre dans une salle. Tenez, prenez-en un. Merci. Je le lirai. Comment toutes les ghouls sont-elles arrivées ici? Au début, il n'y avait que quelques personnes. Ça a été l'un des rares endroits à ne pas s'écrouler ou brûler après la chute des bombes. Je crois que Carole fait partie des rares personnes présentes à l'époque. Mais au fil des années, la nouvelle s'est répandue. Il y avait des petites poches de ghouls un peu partout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart sont devenus sauvages. Ou sont venus ici. Je suis sûr qu'il en reste dehors. Mais tous les gens censés sont à Underworld. Ce n'est pas dangereux d'être au cœur de la ville? Pas vraiment. Les super mutants nous laissent tranquilles. Je crois que ce qui les transforme ne marche pas sur nous. La confrérie de l'acier nous tire dessus quand nous sommes à l'extérieur, mais ne vient pas nous embêter ici. On a reçu quelques visites de Raiders et de négriers, mais on a Charon, Cerberus et tout le monde pour s'occuper d'eux. Je pense qu'en fin de compte, être à l'écart de tous est une bonne chose pour nous. Pas faux. C'est tout ce que je veux savoir. Allez quand vous voudrez. Ce n'est pas animé ici. Je vous souhaite garde à vous, civil sur le pont. Alors, faut. Négatoire. Merde, qu'est-ce que j'ai cliqué? Restez ici en permanence. En cas d'hostilité, je réagis en tuant si besoin est. Vive Underworld! Vive les ghouls! Ouais! Ouais! Sale au prix de programmation de ta fiole. Alors, déjà fait un tour dehors, Cerberus dans l'intérieur. Hein? Des infos sur Underworld. C'est une ville de ghouls pacifique, alors laissez vos préjugés au vestiaire. Ces gens sont comme les humains, ils ont des sentiments, ils saignent. Ils méritent le même amour et le même respect que les humains. Tâchez de ne jamais l'oublier. Oui. Du moins, ils m'ont programmé pour que je le dise. Moi, je pense que c'est une bande de zombies bouffés par des asticots, et je les renverrais tous en enfer si je le pouvais. Saleté d'inhibiteurs de combat. Ok, alors tu es quoi, le chien de garde? Je m'appelle Cerberus. Mon devoir sacré est de protéger les citoyens d'Underworld contre toutes les menaces, étrangères et intérieures. Alors oui, je suis le chien de garde. Bye. Crowley. Wow. Vous parler. Pourquoi m'avoir réveillé, police? Hey. C'est à croire que vous avez jamais vu une boule de près. Si, mais... différent. Je n'ai rien contre les ghouls. Non, hey, ça fait mal. J'essaie simplement d'obtenir des ragots contre un verre. C'est le prix de bouffeur de cerveau. Des ragots contre un verre. Je crois pas connaître grand chose d'utile, mais je veux bien de ce verre. Ça vous coûtera 2 capsules. Et certes, un Penny est mort, mais pas d'une balle dans le crâne. Bon débarras. Les terres désolées se porteront mieux sans lui. Des infos. Mais il me prend des capsules! Des infos sur Underworld? C'est un endroit pour les ghouls, pas pour les humains. Et une moustache! Pas beaucoup, les humains. Salut! Je me sens très spécial. Sharon! Allez voir Azrokal. Mais il est où? Ouais, mais. Allez voir Azrokal. Oui, chef! Mais où est Azrokal? Je le trouve pas.
Zrukan. Tout le monde est le bienvenu au Nakor. Hey. Regardez ça. Une tête de police que je ne connais pas. Je m'appelle Azrukal et ceci, c'est le Ninth Circle. Les gens ont des problèmes et je leur donne de l'alcool. Enfin, de l'alcool et quelques autres trucs. Et s'il vous faut quelque chose, dites-le-moi. Qui est le type dans le coin là-bas? Sharon. Disons qu'il est un employé loyal. Laissez-moi tranquille et il vous laissera tranquille. Oui. C'est un employé local? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le titulaire de son contrat, ce qui fait de moi son employeur. Il fait ce que je lui demande, quand je le lui demande, sans poser de questions. Vous voyez, Sharon a grandi au sein d'un groupe d'individus assez intéressants. Eh bien, on peut dire qu'ils lui ont lavé le cerveau. Il est totalement loyal envers le détenteur de son contrat. Fidèle et inébranlable. Jusqu'au jour où il change d'employeur. Je ne me berce pas d'illusions, il doit sûrement me haïr. Mais tant qu'il sera mon employé, il sera aussi doux qu'un ours en peluche. Il faut qu'on parle du contrat de Sharon. Oh, vraiment? Il m'est très utile et c'est un véritable pilier du Nine Circle. Qu'est-ce que vous avez en tête? On ne pourrait pas faire une sorte de marché? Je pense que c'est possible. Mais ce que je vais vous proposer risque de ne pas vous plaire. Vous voyez, je n'aime pas la concurrence. Pas du tout. J'écoute. Cela va à l'encontre de mes principes d'homme d'affaires. Alors, le fait qu'il existe une autre source d'alcool en ville me gêne. Greta, la serveuse de Carole, je veux qu'elle meure. Peu importe ce comment, tant que c'est discret. Si vous le faites, vous aurez le contrat de Sharon. Pourquoi ne pas confier ça à Sharon, justement? Bien sûr, Greta ne représenterait pour moi. Je vais le faire. Je ne veux rien faire. Je veux rien avoir à faire avec ça. Pourquoi ne pas confier ça à Sharon? En tant qu'employé loyal, Sharon le ferait si je le lui demandais. Mais toute la ville me tomberait sur le dos. Greta est très appréciée en ville. Si Sharon la tue, tout le monde saura que c'est moi qui ai ordonné sa mort. Il faut que Sharon ait un solide alibi quand Greta sera tuée, afin que je puisse prétendre ne rien savoir de cette affaire. Content de l'entendre. Revenez me voir quand elle sera morte, et je vous remettrai le contrat de Sharon. Un conseil, faites preuve de subtilité. Tirer en plein jour ne fera que retourner la ville contre vous, et je ne pourrai rien faire pour vous aider. Montrez-moi la vraie marchandise. Quoi? De quoi est-ce que vous voulez parler? Je tiens un bar, moi. Un point, c'est tout. Regardez ces gens, ils marchent au jet, je le sais, croyez-moi. Oh, j'aime les consommateurs avisés. Ce sont mes préférés. Oui, je crois que je peux vous aider. Venez ici, je vais vous montrer mon stock de sensations fortes. Pourquoi cacher ce que vous vendez? S'il n'y a pas à proprement parler de loi Underworld, je ne tiens pas à affronter une foule de lâcheurs en colère. Ça ne manque pas de bonnes âmes ici. Et ce serait bien leur genre d'intervenir dans une transaction honnête. Franchement,
J'ai quelque chose à vendre. Vous avez envie d'acheter. Est-ce que ça regarde quelqu'un d'autre? Hein? Montrez-moi. Comme vous voudrez. Bière, Bufford, Psycho Scotch, Team Pack, Vodka. Oh bon, il a un jet. Des infos sur Underworld. C'est le seul endroit des terres désolées où mon peuple peut échapper à la misère qui règne à la surface. Et cette misère, eh bien, elle fait le bonheur de quelqu'un comme moi. Il le rend très, très riche. J'y vais. Je ne connais pas d'ennui qu'un peu d'alcool ne puisse faire oublier. Si agréable à regarder. Oh! Tu es Greta. J'ai noté. Parce que c'est pas dans ma liste de quêtes. Alors on va sauvegarder. Si, je crois qu'on a parlé à tout le monde à Underworld. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de Fallout proche. Plus de Fallout 3 dans un futur proche. Voilà. Rien d'autre que la douleur et la vie. Je parle. Dans tous les cas. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Ici le président Eden. J'ai envie de. Crème! Un point d'expérience et un.